Le corps tendu, la main rapide, le flipper, c'est physique. Une tension de l'être vers un objectif, la boule argentée. Voici le champion de France 2014. Il faut savoir pousser un petit peu les flippers à gauche, à droite pour éviter de perdre la bille. Il faut quand même savoir pas mal viser pour réussir justement, comme je disais, les missions, les choses comme ça. Et après, connaître le flipper et toutes les astuces du flipper auquel on joue, ça c'est important. Johnny Mnemonic, The Machine, Seth Krolker, dans la salle, 40 ans sépare le plus ancien du plus récent des flippers. Chaque flipper en fait est différent, a sa particularité, son ambiance, son style, et c'est ça qui fait que le joueur devient accro à la machine. Aux manettes, des adultes nostalgiques et des jeunes enfants. Oh, c'est génial, j'adore ça. Quand on change de flipper, c'est comme si on changeait de jeu, quoi. C'est le même genre de jeu qu'un jeu vidéo. Et pourtant, le flipper a déserté les salles de jeu et les cafés depuis l'avènement des jeux vidéo. Pour les passionnés, jouer devient un vrai casse-tête. Si on n'organise pas, on peut pas. On est obligé de faire des kilomètres. Des dizaines, des centaines de kilomètres même. Ouais, des centaines. Il y a un peu, des tournois un peu partout en France et jamais auprès de chez nous. Mais on en trouve des flippers quand on est particulier, une asso. Alors les flippers, c'est par le biais des forums, Flipjuk notamment. Il y a Le Bon Coin qui marche pas mal aussi. C'est de plus en plus recherché, donc de plus en plus dur à trouver forcément. Bonne nouvelle pour les Sartois, une ligue départementale devrait bientôt voir le jour. C'est la fin.